beaucoup, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui sera une vidéo des calendriers de l'Avent ainsi que deux concours. Je tenais à remercier tous les nouveaux et toutes les nouvelles abonnées sur ma chaîne parce que vous avez fait une explosion en peu de jours et je dois avouer que waouh, ça m'a fait vraiment très 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 plaisir. En plus, vous me laissez toujours des commentaires très agréables. Donc, je vous remercie de cet abonnement. Je vous remercie d'être de plus en plus fidèle sur ma chaîne. Ça me touche beaucoup. Et puis, bien sûr, je remercie les anciennes qui me suivent depuis le début de ma chaîne. Voilà. Vous parlez des calendriers de l'Avent. Alors, j'en ai trois. J'en ai deux de chez Action. Parce que cette année, j'ai eu une chance incroyable, c'est de pouvoir les avoir. Je suis allée faire un petit tour à Action et puis ils n'étaient pas exposés. Et je me dis, mais c'est quand même bizarre, il n'y a toujours pas de calendrier, tout le monde les a. Moi, je ne les vois pas dans mon Action. Et puis, je m'adresse à une jeune femme qui était dans les rayons. Et je lui demande, bah, écoutez, vous n'avez pas encore exposé les calendriers de l'Avent? Elle me dit, non, non, pas encore, parce que l'année dernière, on les avait posés début décembre et finalement, ça ne s'est pas parti tout de suite. Donc, on attend encore un peu avant de les mettre. Bon. Elle me dit, mais si ça vous intéresse, je peux vous les présenter. Et puis, voilà. Alors, je lui dis, ah oui, oui. Oui, oui, oui. Et donc, j'ai dit, oui, oui, allez-y, je serais ravie de voir ce que vous avez à me proposer. Donc, elle est allée dans réserve, elle m'a ramené tous les modèles qu'elle avait et j'en ai choisi deux. Donc, le premier, c'est le Max & More Deluxe Beauty Calendar. C'est celui-ci. Voilà. Et le second, c'est celui, c'est le Spa Beauty Avent. C'est celui-là. Voilà, vous connaissez tous hein, ce que j'ai vu. Alors, je ne veux pas du tout tricher. Et donc, par conséquent, je n'ai regardé aucune vidéo où étaient présentés les produits qui étaient dans les calendriers de l'Avent. De personne, d'ailleurs. J'ai regardé aucune des vidéos parce que je n'ai pas envie d'ouvrir des calendriers de l'Avent qui sont réservés pour Noël. Moi, j'ai ce principe-là. J'achète des calendriers. C'est pour les ouvrir. J'achète des calendriers, c'est donc pour les ouvrir au fur et à mesure, aux dates voulues, et avoir la véritable surprise. Voilà. Le troisième calendrier, c'est le calendrier de l'Avent de Yves Rocher. Et là, il faut que je vous raconte une anecdote. Je commande rarement sur le site d'Yves Rocher. La plupart du temps, je vais en boutique, je me sers, j'achète ce que j'ai besoin, je repars avec, tout va bien. Mais de temps en temps, je vais regarder sur le site s'ils ont des nouveautés, etc. Et puis là, bon, ben, il y avait le calendrier de l'Avent et je me suis dit, ben, chaque année, j'arrive pas à l'avoir. Donc cette fois, je vais faire en sorte de l'avoir. Donc qu'est-ce que je fais? Je commande et je fais pas attention que mon adresse, c'est celle du Var. J'avais pas fait mon changement d'adresse sur le site. Et je me dis, mince, ça va partir là-bas. Et puis, le temps que ça revienne, si ça revient, parce que je fais une petite parenthèse, il y a un produit que j'attends qui a été perdu, je pense, par la poste, alors que j'ai fait en sorte de faire rediriger mes colis et mon courrier à ma nouvelle adresse. Il y a un produit que j'attendais pour le mois d'octobre qui était réservé à Octobre Rose. Vous savez que je fais partie d'une team qui s'appelle la team Over 50 et je n'ai pas pu tester le produit d'Octobre Rose réservé à, surtout, il y avait une participation qui était reversée pour la recherche du cancer du sein et ça me tenait à cœur de pouvoir faire cette campagne. Malheureusement, ce produit, je ne l'ai jamais reçu, ça s'est perdu par la poste et là, je me suis dit, si ça recommence, que ce colis est perdu, qu'est-ce que je fais? Je téléphone à Yves Rocher et je tombe sur une charmante dame et je lui explique mon cas. Je lui dis, écoutez, j'ai fait le changement d'adresse entre temps, mais je pense que comme ça part en Colissimo, vous n'aurez pas eu le temps de prendre le changement d'adresse. Et là, elle me dit, eh ben, écoutez, c'est pas grave, je vous renvoie un colis. Alors, je lui dis, écoutez, vous ne préférez pas qu'on attende de voir si je le reçois ou pas? Elle me dit, non, non, je vous l'envoie. Bon. Et donc, à 24 heures près, je reçois, pas un colis, mais deux. Et donc,
je me suis retrouvée avec deux calendriers. L'avant, des cosmétiques que j'avais commandés, qui étaient avec, en double. Qu'est-ce que je fais? Je rappelle Yves Rocher. Et j'explique, je lui dis, voilà ce qui m'arrive. Voilà. Oui, oui, oui. Je lui dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous le renvoie? Ils m'ont dit, non, regardez. De ce fait, je vais vous montrer le calendrier de l'avant. Juste vous le présenter comme ça, parce que je ne l'ouvrirai pas. Voilà, parce que pour moi, encore une fois, comme je vous l'ai dit précédemment, je ne veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Et le deuxième calendrier que j'ai reçu, eh bien, je vous le ferai gagner en concours. Alors, je vous en parle tout de suite après. Alors, ça se présente comme ça. Vous l'avez comme ça. Ensuite, vous ouvrez. Donc, il se présente comme ça. Donc, je l'ai ouvert. Hop, voilà. Voilà, ce sera la belle surprise. Et donc, voilà. Les calendriers de l'Avent pour cette année. Ensuite, nous allons passer au concours. Donc, vous savez que j'ai mis en place, il y a déjà un petit moment, un concours pour mes 1000 abonnés sur mon Instagram. Je vous mettrai, ça va passer ici, mon Instagram. Il sera également noté en barre d'informations. Et pour vous remercier, j'ai fait un petit lot. C'était donc... voilà, ce petit lot, il y a plein de petites choses sympathiques, voilà. Et puis, j'ai eu, surpris, 4 participations. Alors, vous avez jusqu'au 20 novembre, je vais aller laisser traîner un petit peu plus longtemps, je ferai le tirage fin novembre pour pouvoir gagner ce petit lot. Pour cela, il faudra donc être abonné à mon Instagram, bien sûr, et vous aurez double chance. Donc vous serez inscrit 2 fois sur mon cahier, si vous êtes également abonné à ma chaîne YouTube. Le deuxième concours, c'est donc ce calendrier de l'Avent Yves Rocher, dont je vous ai présenté tout à l'heure, qui sera pour mes 600 abonnés sur ma chaîne, et pour vous remercier de votre fidélité. Voilà, il est à gagner. Pour le concours du calendrier de l'Avent Yves Rocher, le concours est ouvert jusqu'au 25 novembre. Autant dire, dépêchez-vous, parce que le temps que je puisse vous l'envoyer, que vous puissiez le réceptionner et que vous puissiez commencer au 1er décembre à ouvrir vos petites cases. Voilà. Sur le concours Yves Rocher et sur le concours Instagram, vous n'êtes pas sans savoir que nous n'avons pas le droit de dire je participe, donc vous mettez un petit commentaire sympa sur Insta et sur YouTube et vous participez au concours sur directement en m'envoyant un mail, donc vous aurez l'information qui va se dérouler ici ainsi qu'en bas. Les modalités du concours seront indiquées dans la barre d'infos pour que vous puissiez vous en rappeler. Et puis surtout, vous m'indiquez pour quel concours vous participez, calendrier de l'Avent ou Instagram, ou les deux, parce que vous y avez droit. Si vous êtes abonné à ma chaîne et à mon Instagram, vous avez le droit de participer aux deux concours. Mais surtout, ne m'indiquez pas sur YouTube, je participe, parce que sinon je virerai le commentaire. Vous savez que YouTube est très strict sur les choses, donc les concours... On les indique, après tout se fait par mail, donc vous m'indiquerez tout ça, vous aurez mon mail en barre d'infos, de toute façon en principe il y est toujours, et puis voilà. Bah écoutez, j'espère que vous serez content, et puis moi en tout cas, je suis ravie de pouvoir vous offrir ces petites choses en remerciement de votre fidélité et en remerciement de vos abonnés. Donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.